Bâti par le wali d'Égypte Mohammad Ali Pacha, El Kalater El Khairiya, sont considérés comme une véritable œuvre d'art de l'architecture et du tourisme. Ces barrages se posent aujourd'hui comme l'un des monuments égyptiens les plus splendides ayant trait à l'irrigation. Ces barrages étaient uniques au monde. Aujourd'hui encore, ils conservent toute leur splendeur et attirent chaque année des millions de touristes arabes et non arabes. De plus, cette région connue pour sa verdure est devenue une destination privilégiée pour les jeunes et les élèves des écoles. Les Égyptiens de toutes les catégories sociales s'y rendent pour se relaxer. Au long de l'histoire, les Égyptiens ont songé à construire les barrages pour freiner le flux du Nil. Jusqu'au début du XIXe siècle, les irrigations saisonnières étaient employées en Basse-Égypte, tout comme en Haute-Égypte. Seul le dernier d'hiver était cultivé. Quant aux denrées d'été, elles étaient cultivées au bord du Nil et au bord des rares canaux qui découlaient du fleuve. Lorsque Mohammed Ali Pacha a pris le pouvoir en Égypte, il a commencé à construire des barrages et à creuser des canaux tout au long du Nil pour garantir la présence de l'eau tout au long de l'année. Thank you.
Pacha ont été couronnés par la construction d'El Kanater El Khayriya, en arabe les barrages du bien. Ainsi appelés car ils rendent service à l'agriculture égyptienne, aussi bien dans le delta qu'en Basse-Égypte. Ainsi ces barrages sont considérés comme annonciateurs du bien et de bénédiction pour le peuple égyptien. En effet, les canaux d'irrigation ont permis d'irriguer les terrains agricoles au dehors de la saison du fleu. Surtout après la construction du barrage, les barrages d'El Kanater constituent la base sur laquelle repose l'irrigation en été en Basse-Égypte. Pacha, il constituait aussi son œuvre la plus somptueuse, la plus utile et la plus durable. Il y a pensé, après avoir constaté les bénéfices des barrages créés sur les canaux. En effet, de grandes quantités des eaux du fleuve étaient perdues chaque année sans que l'on puisse s'en servir, alors que durant la même année, on ne trouverait pas suffisamment d'eau pour irriguer les terrains agricoles. Mohamed Ali a décidé de contrôler les eaux du Nil en construisant ses barrages à l'intersection de deux branches du Nil à un endroit connu sous le nom de Batn el-Bakara. Mohamed Ali a immédiatement confié le projet à un groupe de grands architectes de l'époque, dont l'Émine de Balfour. Celui-ci a conçu le projet en 1834 et les travaux de construction ont commencé immédiatement après avoir été interrompus un certain temps. Lorsque Mohamed Ali a décidé de reprendre les travaux, il a eu recours à un autre architecte français du nom de Manguiel Beck.
Celui-ci avait conçu le chantier naval d'Alexandrie et Mohamed Ali avait été admiratif de son travail. Sa conception des barrages a été différente de celle de l'Inon de Balfon. Ce dernier prenait la construction des barrages sur la terre ferme tandis que Longuiel préférait les construire dans le bassin du fleuve. Composé de deux grands barrages construits sur les deux branches du Nil. Trois canaux ont été creusés dans la région située derrière les barrages afin d'irriguer le delta. Il s'agit du canal de Monofeya, celui El-Bahreya et celui de Sharqiya, qu'ont appelé par la suite le canal del Tawfiqiya, car il a été creusé sous le Kedevi Tawfiq Pacha. Mongel a travaillé sur le projet en coopération avec deux grands architectes de l'époque, à savoir Mustafa Bahgat Pacha et Mazhar Pacha. Du vendredi avril 1847, du mois de Rabia et Teni, 1263 de l'Égypte,
Mohammed Ali Pacha a posé la première pierre d'El Kanat El Khayriya, 43 ans après son arrivée au pouvoir. La fin du règne de Mohammed Ali a témoigné d'un ralentissement des travaux, soit Abbas Ier. Les travaux ont été interrompus sous prétexte que le budget ne peut pas fournir les sommes colossales nécessaires au projet dont le coût a dépassé les 1 million de livres égyptiennes. Les travaux ne furent achevés que sous Saïd Pacha. Fut construite près d'El Kanater. Elle fut appelée la citadelle saïdienne. Son objectif est défendre les frontières du pays. Mais cette citadelle, qui contenait d'innombrables cartes et documents relatifs au Kanater, a brûlé. Le sologis ayant échappé à l'incendie était une horloge qui fut conservée au bureau du ministre de l'Irrigation. Sous le Khedive Ismail, 1863 à 1895, les barrages d'El Kanater furent restaurés et consolidés. Ils ont ainsi fonctionné jusqu'à la fin de l'année 1939. Les travaux effectués ont coûté 3,5 millions de livres égyptiennes. Puis on a construit les barrages du nouveau delta derrière les anciens barrages qui n'étaient pas utilisés que pour le passage des biens et des marchandises, et qui était une source d'admiration et de fierté. Ismail Pacha, en 1868, certaines défiances apparues, dont la structure des barrages, et elles furent réparées après consultation de Mongeriel Bek, de Barkat Pacha et de Mazhar Pacha. En 1891, les barrages ont été à nouveau réparés et consolidés
sur le conseil de Mongelbek. Celui-ci était venu en Égypte alors qu'il avait 75 ans. Le gouvernement égyptien l'a nommé comme ingénieur del Canater. A été le premier directeur d'El Canater. Celui-ci était conçu au croisement des deux branches du Nil, celle de Damiet, longue de 242 km, avec une longueur moyenne de 270 mètres, et celle de Rachid, longue de 236 km, avec une largeur moyenne de 500 mètres. Mohammad Ali Pacha a réservé plusieurs certaines de fédons autour d'El Canater ou d'éventuels travaux d'extension. Il a de même consacré 500 fédons sur le Nil pour y établir des jardins publics conçus sur le modèle européen avec des plantes rares importées d'un peu partout dans le monde. El Khairiya reçoivent chaque année environ 5 millions de visiteurs égyptiens, arabes et étrangers. En raison des travaux d'aménagement continus depuis l'époque de Mohammad Ali Pacha, la région d'El Canater est devenue une zone touristique de premier plan. Sa proximité du Caire, elle est située à 22 km de la capitale. Et la possibilité d'y accéder facilement à travers le Nil ont contribué à sa prospérité en tant que zone d'attraction touristique.